À Brazzaville, la capitale de la République du Congo, une jeune femme à la tête d'une entreprise tente d'innover dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle transforme les produits locaux pour approvisionner les familles en diverses denrées alimentaires. Cette start-up, appelée à grandir, a besoin d'un accompagnement financier et matériel pour satisfaire la demande du marché. C'est en novembre 2016 que Rachel Combla, âgée à peine de 19 ans, a démarré son entreprise avec un capital de 8 millions de F communautés financières africaines reçues de quelques partenaires. Dénommée Rachel Food, elle emploie 12 agents pour un chiffre d'affaires mensuel de 5 millions de F communautés financières africaines. Ces produits, estampillés « Rachel Food » dans des emballages alimentaires, sont disponibles dans les supermarchés, la purée de piment, la pâte d'arachide, le foufou ou farine de manioc et le saka saka, les feuilles de manioc pilées, très appréciées des Congolais. Le retour du cinéma congolais après 25 ans d'absence. Africa B, une start-up au service du transport individuel GKA, l'ingénieuse solution béninoise contre la pollution, l'insécurité dans le département du Poul, principal bassin de production agricole et la lourde fiscalité appliquée dans le pays, ont ralenti les activités de cette start-up. Cette jeune start-up a besoin d'accompagnement financier et matériel pour le développement de ses activités. Rachel Food a l'ambition d'industrialiser les différents produits agroalimentaires congolais et africains.